Bonjour, je m'appelle Sylvain De Decker, je suis enseignant en conduite de production horticole au lycée Olivier Guichard. Mon rôle, c'est de transmettre aux élèves la façon de produire des végétaux et notamment des légumes, s'occuper d'arbres fruitiers, élever des fleurs et des arbustes de pépinières. J'ai choisi de faire cette formation parce que mon grand-père était maraîcher et mes parents sont maraîchers. Donc ça me plaît d'être au contact de la nature et pas devoir être toujours enfermé à l'intérieur. Alors au cours de l'année, ils vont aborder des sujets comme les agroéquipements. Ils vont apprendre aussi à comprendre comment fonctionne un végétal, comment il est possible de les multiplier, les différentes variétés, les différents milieux dans lesquels ils évoluent, les besoins, etc. etc. Comment je vois mon avenir ? C'est là que je continue sur un BTS, je travaille avec mon père et je reprends l'entreprise de mes parents. Mes élèves peuvent être destinés à devenir producteurs de végétaux, de légumes, des végétaux comestibles, des végétaux d'ornement. Grand nombre de métiers annexes qui existent aussi dans ce domaine, comme la culture des fleurs comestibles ou des aromatiques, voire de la transformation en huile essentielle. Alors je pense qu'aujourd'hui, ces métiers sont très importants, sont fondamentaux pour l'avenir. Non seulement en termes d'alimentation de la population saine, ainsi que protéger la biodiversité pour l'avenir de nos enfants.